la métropole du Grand Paris, pour beaucoup de gens, c'est quelque chose de très flou. C'est un sujet qui est très complexe, très politique et assez réservé aux technocrates, mine de rien, parce que finalement, tu interroges n'importe qui ici, il n'y a pas grand monde qui peut te dire ce que va être le projet du Grand Paris très très concrètement. Et je pense que ça, c'est un des premiers problèmes du Grand Paris. C'est que c'est un vrai changement au niveau de la gestion à la fois des villes, des intercommunalités, de la région, du département, la répartition des missions entre tous ces groupes-là. Et finalement, personne ne comprend et n'arrive à saisir ce que va être le Grand Paris, quel changement ça va apporter dans la vie de chacun au quotidien et aussi quelles opportunités ça pourra apporter. Et une des opportunités que ça pourra apporter, c'est le fait qu'on puisse avoir des grands lieux qui dépassent les clivages banlieue-Paris ou banlieue entre banlieue, ville entre ville, département entre département, et qu'on puisse réfléchir à des hauts lieux à la fois culturels et à la fois d'échanges pourrait naître grâce au Grand Paris et grâce à la synergie des différents transports et des choses comme ça.